Allez, salut, salut les gars, voilà, salut tout le monde, c'est Mospita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225. Voilà, donc un grand merci pour ceux qui me suivent, et puis aussi, j'aimerais vraiment vous remercier pour ceux qui commentent et qui partagent les messages ou bien les vidéos qui sont juste là. N'oubliez pas, avant de suivre la vidéo, si vraiment ce que je fais vous arrange et vous aide énormément, essayez comme ça de liker au moins la vidéo, voilà, ou bien de vous abonner si c'est la première fois que vous voyez ma tête. Voilà, donc c'est toujours mon hospital ici. Je donne des informations sur les types de bourses. Je donne aussi, je vous montre aussi comment est-ce que vous devez postuler. Et ceux qui n'arrivent pas à postuler peuvent déjà me contacter inbox. Il y a mon numéro en description. Voilà, pour que je puisse vraiment vous donner des informations que vous voulez ou bien nous vous aidions aussi à les postuler. Voilà, donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour ceux comme ça qui me posent la question et qui sont sur le point d'arriver ici en Russie parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs déjà qui ont déjà obtenu leur visa. Voilà, il y a des personnes qu'on a déjà aidées, qui ont déjà obtenu aussi leur visa et qui doivent maintenant se rendre ici au plus tard le 20 ou bien le 15 ou bien le 18 ou bien le 19, vous voyez? Ou bien même le 25. Le 25 août. Je parle de ce mois. Et surtout, n'oubliez pas, regardez bien sûr la lettre de d'invitation que vous avez reçue. Voilà, il y a, c'est déjà indiqué le temps et la date maximale à laquelle vous devez être ici, vous voyez? Voilà, donc essayez comme ça de voir pour ne pas vraiment être en retard, parce que si vous êtes en retard, il y aura des répercussions en ce qui concerne le visa qu'on doit vous donner. Parce que le visa que vous avez reçu, si vous avez bien remarqué, le visa que vous avez reçu déjà là-bas à l'ambassade, ça ne passe que pour 3 mois. Et si ça ne passe que pour 3 mois, vous devez être ici, en Côte d'Ivoire, 45 jours avant la date d'expiration pour qu'on puisse vous donner un visa d'un an. Vous voyez, parce que ici, dans l'université que vous allez être, vous allez pouvoir suivre les. Vous allez pouvoir avoir vos visas chaque année. Voilà, donc, essayez vraiment d'être dans le temps. Regardez bien ce que vous avez reçu. Essayez d'être dans le temps pour ne pas être en retard. Voilà, donc, comme je le disais, actuellement, vous devez contacter vos universités. Voilà, et puis, les universités vont venir vous accueillir. Et je le répète encore, ceux dont les universités ne vont pas venir accueillir, vous devez nous contacter inbox, il y a toujours le numéro qui est là, WhatsApp, pour qu'on puisse se comprendre et puis on puisse vous aider à vous accueillir et à vous envoyer aussi dans votre établissement respectif. Voilà, donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo-là juste pour indiquer un peu quels sont les éléments que vous devez comme ça apprêter pour pouvoir venir. Dans un premier temps, vous savez déjà que ici, lorsque vous allez arriver, peut-être comme ça, il va faire un peu froid. Donc, ce que moi, je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est déjà, dans un premier temps, d'aller au marché parce que là-bas, c'est moins cher qu'ici. Donc, vous allez dans votre supermarché ou bien un truc comme ça, ou bien même si c'est ce qu'on appelle, on appelle comment là, les habits en seconde main, je crois que c'est arrivé France au revoir, voilà, France au revoir, vous allez retrouver vraiment des pulls qui sont assez lourds pour pouvoir venir. Parce que arriver ici, si vous ne prenez pas là-bas et que vous arrivez ici, ça sera un peu plus cher pour vous. Donc, vous prenez là-bas. Et lorsque vous arrivez ici, ça sera vraiment plus bénéfique pour vous. Voilà. Donc, ça, ce sont les pulls que vous devez prendre. Même s'il y a de grands habits, essayez de prendre ces grands habits-là. Parce que dans les premiers instants, lorsque vous serez confronté comme ça au froid, vous allez voir que vous allez vous sentir un peu nonchalant. Vous allez vous sentir. Bon, ça dépend un peu de l'organisme de chacun. Mais je suis en train de vous donner l'expertise en ce qui concerne si je fais une statistique sur plusieurs étudiants étrangers. Voilà. C'est toujours le sentiment et le ressentiment par rapport à cela que je vous donne ces informations. Lorsque vous allez venir et que vous allez ressentir un peu la fraîcheur, vous serez pas, votre organisme va commencer d'abord à s'adapter. Donc pendant ce temps, vous serez un peu nonchalant, un peu malveillant, c'est-à-dire une personne qui est un peu malade et tout ça. Mais ce n'est pas de la maladie en tant que telle, sinon qu'il y a d'autres comme ça qui ne supportent pas et qui se retrouvent comme ça à l'hôpital. Vous voyez? Donc essayez de prendre un peu des habits. Un peu qui sont un peu plus chargés, qui sont un peu plus lourds pour venir d'abord ici. Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne la nourriture, moi je dis toujours, vous allez avoir peut-être, si je me rappelle très bien, vous allez avoir l'opportunité, comme ça, vous aurez l'opportunité d'avoir deux bagages, deux valises de 23 kilos, et puis il y aura un sac aussi de 10 kilos, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, l'autre sac, ça peut être des habits, et l'autre sac qui va rester, vous pouvez vous acheter de la nourriture en attendant de vous habituer à la nourriture ici. Voilà. Vous pouvez vous acheter ce que vous voulez, des bananes, tout, tout. En tout cas,
chargez-vous, c'est 23 kilos, chargez-vous et vous arrivez ici. Voilà. Et pendant au moins quelque chose de 2 mois, 2 semaines ou bien 1 mois minimum, vous allez pouvoir vraiment préparer ce que vous-même vous mangez dans votre pays. Voilà. En attendant de faire d'abord la connaissance de la nourriture qui sera ici pour ne pas vraiment se retrouver dans des conditions qui ne sont pas assez agréables. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je passe sur la phase de l'argent, c'est-à-dire de votre compte. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez avoir affaire à faire des cartes bancaires. Vous voyez, des cartes bancaires qu'on a. Ici, c'est assez facile. Vous pouvez avoir quatre cartes bancaires ou bien 8 comme vous voulez, 15 comme vous voulez. Vous voyez, voilà, c'est pas comme dans notre pays où on doit faire des formalités ici, passer par là. Non, ici, vous pouvez avoir les quatre comme vous voulez. Donc, mais ce qui est un peu, qui sera un peu, qui sera pas bien pour vous, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on ne peut pas faire d'échange d'argent ici. Voilà, le currency ne passe pas ici. Vous voyez, actuellement, c'est seulement l'euro qu'on utilise ici. Donc, si vous venez ici avec de l'euro, du dollar ou bien du franc CFA, vous allez voir que votre argent n'aura pas de valeur et vous serez obligé d'appeler vos parents encore pour vous flash 5. Déjà, commencer. Venez au moins à 50 jours avant la date limite de votre visa. C'est assez important. 50 jours ou bien même 60 jours. N'oubliez pas, c'est assez important parce que même actuellement, dont je viens de vous parler, il y a des étudiants qui sont ici qui seront obligés de repartir au pays et revenir parce que ces étudiants n'ont pas respecté vraiment la date de remise de leur passeport ou bien de leur visa à leur organisation, c'est-à-dire au ministère ou bien à l'immigration de leur université, pour que cette immigration-là puisse prolonger leur visa. Donc actuellement, il y a des étudiants qui sont ici, qui seront obligés de repartir. Mais je répète encore, pour ces étudiants qui sont dans ces cas-là, voilà, au lieu de repartir, écrivez-moi sur le mail ou bien le numéro qui est là, pour qu'on puisse essayer comme ça de vous aider. C'est assez important. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital. Et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de M. Le Rissor 225. À plus.